Je suis extrêmement reconnaissant de la déclaration agricole. Merci. Grâce à votre inspiration et au soutien de tous, on va faire plus. On est ensemble, monsieur. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on doit faire. Il faut que plus de terres soient ombragées. Maintenant, bienvenue à la COP. Mesdames et messieurs, applaudissez Sadhguru. Les systèmes et la sécurité alimentaire sont un sujet important de la COP28 et les experts soulignent le rôle important que jouent des sols sains dans l'atténuation des effets du changement climatique. La question de l'agriculture et de l'alimentation sont maintenant au cœur des actions pour le climat et la nature. Lors de la COP26 à Glasgow, à l'époque, le mot sol était à peine mentionné. Aujourd'hui, les sols sont apparus à la COP28. C'est la raison pour laquelle on a créé le mouvement Save Soil et touché un grand nombre de personnes sur la planète. Parce que si les gens ne prennent pas ça en main, les gouvernements démocratiquement élus ne feront jamais rien à moins que les gens ne le veuillent. Maintenant, il est établi que les systèmes alimentaires et l'agriculture et les agriculteurs sont importants et que les sols sont la base de tout cela. Les deux éléments fondamentaux de la production alimentaire, et cela se résume vraiment à ça, les sols et les graines. Le monde que je veux voir est un monde dans lequel le lien qui unit les terres et l'humanité, le travail et l'alimentation pendant des millénaires, est préservé. Comment augmenter les investissements dans l'agriculture régénératrice, qui peut être un puits de carbone positif naturel? La déclaration des Émirats Arabes Unis sur l'agriculture durable, les systèmes alimentaires résilients et l'action climatique, adoptée lors de la COP28, a reçu jusqu'à présent 134 signatures. Nous tenons à vous dire à quel point nous sommes honorés de votre présence. 40% du problème peut être résolu à travers les sols, ce qui est la manière la plus saine de le faire. Je suis heureux que vous ayez fait cette déclaration. Vous devriez rester avec nous jusqu'à ce qu'on fête ça tous ensemble. La fête a eu lieu. L'attention s'est portée sur les sols. C'est une grande fête pour nous. Ce sont les fondamentaux de la démocratie. Si 60% de tout électorat déclare clairement « On se préoccupe de nos sols, qu'en est-il de nos enfants? Que faites-vous pour eux? Si vous ne faites pas ça, on ne va pas vous élire. » Ça va devenir l'enjeu électoral. Une fois que c'est un enjeu électoral, il y a action. Merci pour votre leadership et merci pour la vision que vous avez donnée à beaucoup. Mon autre partenariat, bien sûr, sera avec Sadhguru, parce que il a la magie. Si on révère le créateur et n'apprécie pas la création, ça ne veut rien dire. Donc l'heure est venue de passer de la prière à l'action dans le monde. Une interview avec nul autre que Sadhguru, le fondateur de Save Soil. Namaskaram, ici au pavillon Save Soil. Pavilion. On peut tous prendre un petit morceau, un petit grain de sable de Save Soil. Je crois que le monde s'en portera mieux. Je n'ai jamais vu autant de discussions sur les sols dans les conférences sur le climat. C'est très important de voir comment passer un message à la fois sur les sols et le changement climatique. Si on peut les détruire, on peut les réparer. Chacun d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui, vous pouvez être la deuxième personne, tout comme Save Soil. Chaque post sur vos réseaux sociaux compte. On avait l'impression d'être les seuls qui avaient les mots sol et climat. Je suis ravi d'entendre que ça devient courant. Les sols agricoles ont le potentiel de séquestrer environ 30 à 40% du carbone qui... Vous savez,
doit être séquestré. Je pars d'un plan positif, que nous ayons le genre de monde que nous voulons et que nous vivions dans le genre de monde que nous voulons. Si nous n'avons pas de plan pour demain, nous n'aurons pas le monde que nous voulons. Donc les jeunes, votre vie est demain, notre vie était hier et un peu demain. Donc nous devons tous nous mobiliser, autrement ça n'arrivera pas. À nous de jouer.